Bien, c'est parti. Alors, je lance la session. Eh bien, tout d'abord, donc bonjour à tous pour cet événement Power Platform French Summit. Donc, c'est un plaisir d'être là pour cette première édition qui, honnêtement, est assez intéressante vu le nombre de speakers et de participants. Donc, merci évidemment à tous les sponsors grâce à qui tout ça est possible, parce que ça demande beaucoup de temps, de ressources. Donc, merci à vous. À l'équipe et des différentes associations qui organisent cet événement, donc la BISA French Community récemment créée, AMS et le club Power BI. Donc pour cette session, on va parler du Power Apps Component Framework. Donc il va s'agir ici d'une introduction, donc on ne sera pas trop technique, pour autant on va voir un petit peu comment on conçoit ce type de composant-là, et il y aura effectivement une démo. Donc, je me présente Alain de Castro. Donc, je travaille en tant que consultant au sein d'Avenade France. Vous retrouvez donc les différents réseaux sociaux que j'ai, LinkedIn, Twitter et mon blog. Alors, j'ai fait pas mal d'articles justement sur ce sujet-là sur mon blog. Donc, généralement, si vous voulez revenir un peu sur ce sujet-là, mes slides de toute façon seront partagés, mais vous pouvez également aller lire ces différents blog posts où il y a vraiment beaucoup plus de détails et du step by step. Alors notez qu'il y a aussi un petit groupe WhatsApp si ça vous intéresse, qui regroupe pas mal de personnes, notamment sur Paris, mais même maintenant sur la France, qui nous permet en fait de discuter d'une manière informelle. Donc n'hésitez pas, le lien sera disponible dans les slides, sinon vous pouvez venir me le demander, il n'y a pas de souci. Donc pour cette session, on va suivre le fil conducteur suivant. Donc, premièrement, on va parler de qu'est-ce que ce Power Apps Component Framework, une démonstration live, et enfin, un sort de deep dive un peu plus technique pour savoir comment est-ce qu'on peut faire un composant, de quoi il est composé, quelle approche on peut avoir pour ça, et enfin, une session de questions-réponses. Donc, pour cette première partie, on va repartir tout simplement du stack complet Power Platform, donc où on retrouve les quatre main services, donc Power BI, Power Apps, Power Automate et Power Virtual Agent. Donc on note le renaming du CDS en Dataverse. Donc pour un peu situer le Power Apps Component Framework, il se situe à ce niveau-là. Donc ça va être vraiment ce qui va nous permettre d'étendre toute la partie Power Apps pour développer des composants custom, notamment pour l'UI. Donc, c'est-à-dire les modèles Raven Apps, les Canvas Apps, les portals. Donc, je ne sais pas si beaucoup de gens ont entendu parler des Power Apps Component Framework ou qui en ont fait, mais le but, ça va être quand même de retracer un petit peu cette histoire dans un premier temps. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces concepts, les premiers concepts finalement de composants, ils sont arrivés assez tôt, c'est-à-dire en 2016, lorsque il y a une démocratisation, si vous voulez, de l'utilisation des applications mobiles. Et il y a eu un besoin, finalement, d'avoir des composants qui nous permettaient de saisir l'information très rapidement, notamment les champs booléens, oui, non, avec les petites étoiles, typiquement, pour faire du rating, etc. Ensuite, il y a eu, effectivement, l'unifié d'interface. Et c'est à ce moment-là où on a pu avoir les premiers custom controls qui sont apparus, donc pour Valmy 365, sur tous les supports, donc pour aussi les apps. Et c'est à ce moment-là à peu près qu'on a vu l'Editable Grid qui était assez attendu arriver. Donc à ce stade, on parlait encore effectivement de custom control, et c'était des contrôles fournis par Microsoft et qui étaient faits avec un framework vraiment exclusif à Microsoft, donc qui était vraiment obscur pour nous. Suite à ça, il y a eu le renaming de la Power Platform, et là, les custom control se sont un petit peu renommés et Microsoft a en fait laissé exposer finalement ce framework auprès de la communauté. Donc en fait, quand l'histoire en fait de ce framework-là, c'est quand Microsoft a voulu, si vous voulez, construire les apps for Dynamics 365 et a réimaginé ces apps-là, ils avaient besoin de trouver quelque chose pour construire des composants qui fonctionneraient sur différents supports. Donc ils ont investi en interne pour leurs ingénieurs à eux, pour pouvoir implémenter ces composants entre les différents navigateurs, les OS, etc. Donc, ils ont créé ce fameux framework-là qui permet de faciliter leurs développeurs, donc dans ce cas, on parle de first-party développeurs, de construire ces composants
et de les faire, de les déployer finalement dans l'ALM basique en interne. À ce stade, ils avaient déjà la vocation en fait, de l'exposer aux third party développeurs, donc la communauté et les personnes qui vont finalement customiser toutes ces applications. Donc, c'est pour ça que maintenant, on va pouvoir créer nos propres custom components. Donc, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a beaucoup de choses en fait, qui sont faites en PCF. C'est quelque chose qu'on utilise depuis longtemps, mais qu'on ne connaît pas. Notamment, par exemple, avec quelques exemples qu'on peut voir qui provient donc de Microsoft directement. On va voir des jauges, par exemple, pour tout ce qui est les wall numbers. On va voir sur les datasets avec des vues de calendrier. On va pouvoir mettre certains de ces PSF dans les steps des BPF. Mais aussi, c'est utilisé typiquement pour consommer du contenu externe. Par exemple, LinkedIn Sales Navigator. On peut avoir une intégration avec Azure Maps, par exemple, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une fonctionnalité qui est assez récente en soi. La première preview est sortie l'année dernière, en avril. Et la General Availability est arrivée à peu près pratiquement un an jour pour jour en octobre de l'année dernière. Donc ça, c'était surtout pour les Model Raven Apps. Maintenant, ça existe aussi pour les Canvas Apps et pour les Portals. Donc quand on parle de composants dans le monde Power Apps, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un petit peu deux types de composants. Donc je vais un petit peu les expliquer ici pour ne pas faire la confusion. On a ce qu'on appelle les Custom Canvas Composition, qui eux sont constitués en low code. Donc quand on fait une Canvas App, on va avoir l'habilité de connecter plusieurs composants et de les réutiliser, ce qui va nous donner vraiment un composant Canvas App sans utiliser de code. À côté, on va voir ce qu'on appelle nous les PCF, où là, ça va être des composants qu'on va coder, donc ça va être beaucoup plus sophistiqué, et qui seront disponibles pour les Model Raven Apps, les Canvas Apps et les Portals. Donc pour le premier type de composant, il va s'agir en fait de connecter différents contrôles basiques de Canvas App, c'est-à-dire les labels avec les boutons, les connecter avec des expressions comme on connaît dans les Canvas App, et de les packager ensemble pour que ça conçoit finalement un composant réutilisable. Et de là, on va pouvoir consommer et interagir avec ce composant, notamment si on décide de laisser des propriétés d'entrée, etc., comme on l'a pu voir juste précédemment avec le petit composant de calendrier. Pour ce qui est des composants beaucoup plus personnalisés, donc les PCF, c'est un peu la même chose. A contrario, ici, on va utiliser du code pour le faire, donc on va avoir une flexibilité vraiment accrue pour interagir avec ces différents composants de base. Et on va pouvoir se connecter nativement, donc non pas au CDS, mais au Dataverse, en utilisant la Web API. Dans ce cas-là, quand bien même on va pouvoir laisser des paramètres d'entrée et de sortie, ici, un maker ne va pas pouvoir ouvrir le composant. Il va juste pouvoir décider de quelles données je lui donne en entrée et potentiellement ce qu'il va me donner en sortie. Mais ça va être vraiment consommé comme une boîte noire. Donc pour résumer très rapidement ce qu'est ce framework-là, c'est un framework qui se concentre vraiment sur l'expérience utilisateur, qui va utiliser les technologies standards du web, pas de langage propriétaire. On va pouvoir prendre des samples de code sur Internet pour en faire un PCF en soi. On va avoir accès directement à la Web API, dans le cadre par exemple, du modèle Raven Apps, Portal, Canvas App, etc. On va pouvoir packager ça en solution manage, unmanage, grâce au tool fourni. Le rendre dynamique en fonction des paramètres qu'on laisse configurables par les makers, donc les customizers et les citizen developers. Et l'avantage, c'est qu'on ne va pas avoir besoin de se soucier du support, car finalement, il va s'adapter à ces derniers-là, donc téléphone, tablette, etc. Donc, quelques exemples de PCF qui ont été faits dans la communauté avant de partir sur la petite démo. Donc, on peut avoir ce type de composant-là où, en fait, c'est basé sur un option set qui catégorise finalement les options qu'on peut sélectionner. Donc, typiquement, ici, là, on a une liste d'options en vert qui sont sous une catégorie qui est Food Services. On va avoir des composants qui vont nous permettre de mettre des fonts custo, notamment dans les Canvas App. Des composants plutôt d'affichage, de visualisation, notamment pour générer, par exemple, des barcodes.
des PCF de validation qui nous permettent de valider typiquement là si un sirène est valide ou pas. Des composants, pareil, de validation, mais là, de numéro de téléphone avec un indicatif pays et donc un drapeau qui s'affiche en conséquence. Des tags, des vues par rapport à une liste de tâches typiquement, donc un peu sous en mode projet, hein, avec des milestones, avec un avancement et un code couleur, si c'est en progression, si c'est pas effectué à date, etc. Ou ce type de PCF, encore une fois, sur la visualisation pour améliorer finalement la navigation de l'utilisateur, qui va nous permettre d'afficher sur une liste d'entités, finalement, l'avancement du BPF pour chacun des enregistrements. Donc pour cette partie-là, on va partir sur une petite démonstration live. Donc je vais rapidement vous parler un peu d'où trouver ces composants-là, où est-ce qu'ils sont hébergés. On va donc déployer, finalement, installer un PCF et le configurer pour voir un petit peu comment ça se déploie et présenter quelques composants plutôt sympas. Donc depuis que ce framework est sorti, la communauté a fait pas mal d'assets là-dessus. Donc vous pouvez les retrouver sur le site PCF Gallery. C'est totalement gratuit, c'est open source. Et vous retrouverez généralement les sources. Donc on va passer à la démo à cette étape-là. Donc j'ai préparé une instance pour vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Donc ici, on a une instance typiquement, donc on est sur un compte. Je vais ouvrir ce compte-là et on va voir plusieurs choses. Ici, le composant dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est en fait la génération du barcode en fonction d'un champ texte. On va avoir ici, par exemple, un autre composant qui nous permet tout simplement d'afficher les différentes entités liées, donc les cases, les contacts, les opportunités. Donc on va pouvoir potentiellement les ouvrir en cliquant. Je vous ai parlé rapidement, notamment, du numéro de téléphone. Donc ici, on va avoir des contrôles pour permettre de formater. Donc avec un numéro français, par exemple, automatiquement, il est reconnu. Si on change pour un autre indicatif pays, on va avoir tout de suite la mise à jour qui va s'effectuer. On va avoir un autre petit composant, que c'est typiquement un des composants que j'ai pu faire, qui va nous servir notamment à identifier un compte par rapport à son numéro de TVA. Donc ici, je rentre un numéro de TVA et vous allez voir que c'est pratiquement instantané, où on a pu retrouver l'intitulé de la société et effectivement avoir ici l'adresse. Donc là, je l'ai essayé avec Avanade France typiquement. On peut essayer avec un autre, typiquement celui-ci, vous allez vite le reconnaître, c'est celui de Microsoft France, et on voit où l'adresse a totalement changé. Donc typiquement ici, qu'est-ce qui se passe techniquement? Il y a un appel qui est effectué à un web service. C'est un web service du gouvernement, de la Commission européenne, qui nous permet de valider un numéro de TVA. Donc c'est-à-dire que dès qu'on rentre une donnée, il y a un appel qui est effectué pour vérifier si on connaît bien ce numéro de TVA, et dans ce cas, on arrive à récupérer certaines informations, notamment l'intitulé et potentiellement l'adresse, qu'on pourrait un petit peu parser pour que ce soit un petit peu plus correct. On va avoir, donc comme je vous parlais par rapport à la communauté, donc vous pouvez retrouver ces composants généralement sur le site PCF Gallery. Vous avez une multitude de PCF mis à disposition. Donc ici, vous pouvez soit filtrer, soit trouver par auteur. Donc ce qu'on vient de voir, typiquement, c'est ce que j'ai pu faire ici, donc notamment pour le numéro de TVA, la génération de barcode, pour le téléphone ici, et celui qu'on va essayer d'installer, ça va être celui-ci, qui nous permet en fait d'afficher les différents stages ou catégories d'un BPF. Donc généralement, vous pouvez tout trouver sur la page du PCF. Donc en cliquant sur Download, généralement, vous êtes ramené sur la page du projet GitHub.
Donc, dans mon cas, vous verrez que tout est assez détaillé. Vous avez les paramètres d'entrée qu'on va pouvoir configurer qui sont présents. Vous allez avoir des exemples de configuration et des exemples de configuration beaucoup plus visuelles où on peut gérer les différentes couleurs. Sur toutes les pages des projets, généralement, il y a des solutions déjà prêtes. Dans mon cas, elles sont présentes ici. Donc, on peut les télécharger en un clic. C'est ce qu'on va faire. Et on va aller tout simplement installer ce composant. Donc, on va importer la solution. Donc, c'est soit du Manage, soit du Unmanage, comme vous avez pu le voir. Dans mon cas, je vais utiliser du Manage. Donc, encore une fois, tout est gratuit. C'est assez détaillé généralement sur les projets. Donc, il y a des paramètres d'entrée à configurer, mais il n'y a rien de difficile là-dessus. C'est fait justement pour les customizers, les makers. Donc, il n'y a pas de souci pour l'installation. Donc, en parallèle, le temps que ça finisse, je vais vous montrer un autre composant qui est un des composants out of the box que Microsoft fournit. Et donc, typiquement, quand on parle des opportunités, je pense que ça parle à beaucoup de gens ici. Les opportunités, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé donc pour gérer son pipe de sales clients. Et c'est là où souvent, on a effectivement des BPF. Donc maintenant, on a accès à un composant standard que Microsoft propose, qui est en fait un Kanban qui va nous permettre de visualiser ce qu'on va voir ici, les opportunités avec leurs différents stages. Donc on voit toutes les opportunités ici. On va pouvoir les modifier sur certains champs et potentiellement les changer de stage automatiquement. Notez qu'on va pouvoir soit se baser sur l'instance du Business Process Flow ou baser plutôt sur le statut, donc se dire qu'on a une opportunité qui est en open, won, lost. Donc c'est très visuel. Donc là, notre solution s'est terminée à importer. Nous, ce qu'on va modifier, ça va être finalement l'aspect des deux sous-gris qu'on a ici. Donc la liste des opportunités et des cases qui sont rattachés au compte finalement. Ici qu'on voit donc Microsoft France. Donc on va configurer notamment cette sous-grille d'opportunité. Donc on va tout simplement lui ajouter le contrôle qu'on vient d'importer. Donc en termes de customisation, ça se passe ici. On va pouvoir ajouter un contrôle et là on va voir qu'il y a plein de contrôles. Donc certains sont ceux justement de Microsoft. Hein, donc typiquement, vous voyez, il y a plein de choses qui sont déjà présentes. Nous, on vient d'importer exactement celui-ci. Donc, on voit qu'il y a une petite image de preview, une petite description. On va pouvoir l'ajouter, dire sur quel support on veut qu'il soit applicable. Et enfin, ce qu'on va voir, c'est qu'on va pouvoir tout paramétrer ici. Donc, notamment dans mon cas, là, j'ai mis à disposition le choix des couleurs et certaines features comme le choix d'afficher le stage ou la catégorie. Donc, on va sauvegarder notre formulaire, le publier et on reviendra sur notre compte pour voir un peu le nouveau rendu. Donc, la publication prend un petit peu de temps. Alors, par rapport aux solutions Manage and Manage, ça, c'est un concept propre à Dataverse, anciennement donc CDS. Si vous voulez, je répondrai à cette question après, je pense. Donc ici, on avait notre compte qui a été donc sauvegardé. On va faire un petit refresh pour voir notre nouveau composant s'exécuter. Alors là, il n'a peut-être pas encore pris en compte le changement. Juste que le cache puisse s'enlever. Hop, donc voilà, il est en train de s'exécuter techniquement. Et voilà. Et là, ce qui s'est passé, c'est que finalement, les deux lignes qu'on avait, comme on peut voir pour le case, sont affichées d'une manière différente parce que c'est en lien direct avec le BPF. Donc, on a plusieurs choses qu'on peut paramétrer. Comme je vous le disais, toutes les couleurs sont paramétrables. Si vous ne voulez pas voir ce petit effet pulse, vous pouvez l'enlever. Si vous ne voulez pas voir le nom, vous pouvez l'enlever.
si vous voulez plutôt voir finalement, donc là, c'est plutôt les stages, mais vous pouvez voir justement les catégories, ça c'est paramétrable, et vous pouvez cliquer à tout moment sur le record pour ouvrir le record et effectivement voir qu'on est bien dans le stage. Donc là, on a cliqué sur le premier, donc on est au first stage, et on va voir le BPF, où là, on est bien au first stage. Pour la deuxième record, on est au second stage, on va bien voir que c'est bien le bon nom qui est ici. Alors après, typiquement, on a des cases ici, donc on peut très facilement l'appliquer également sur plusieurs grilles sur le même formulaire. Et vous allez voir qu'après, on peut gérer justement une couleur différente. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste changer la couleur. Donc ici, on a notamment le completed color. Donc ça, c'est tout décrit sur ma page GitHub où on va pouvoir changer. Donc dans les cases, par exemple, on va mettre plutôt du rouge. On sauvegarde, on va publier. Même principe, on va rafraîchir et on va voir ici le même BPF ajouté plusieurs fois, mais qui là va avoir un design différent en termes de couleur du fait que on parle de case. Alors là, il nous manque juste un petit aspect que j'ai oublié de faire, c'est que typiquement, il faut configurer le BPF sur quel port sur lequel vont porter ces enregistrements-là. Donc, c'est un des paramètres qu'on retrouve ici. Donc, c'est technique, mais ce n'est pas très, très dur à concevoir. Encore une fois, j'ai des exemples par rapport à ça. Donc là, je paramètre juste en fait le nom des BPF sur lequel les cases vont se baser. Donc, typiquement, dans notre cas, ça va être le phone-to-case process standard de Dynamics. Donc, on va pouvoir rafraîchir. Et ce qu'on va pouvoir observer normalement, c'est que les cases vont être affichées de la même manière. Donc là, on voit justement que le composant est en train de s'initialiser. Et là, ce qu'on peut observer, c'est qu'on a le même comportement pour les cases, mais là, on a changé la couleur et effectivement, c'est bien du rouge. Donc voilà pour la petite démo. Je vais me permettre donc de revenir au slide. Hop. Donc ce qu'on vient de voir, c'était notamment ce PCF-là. Donc ça, c'est disponible sur mon GitHub hein, totalement, qui nous permet d'afficher soit les stages, soit les catégories. Donc c'est totalement configurable pour les entités custom, standard. Les BPF custom, standard, on va pouvoir décider de pas mal de choses en termes de couleurs, mais aussi si on veut afficher le nom du record, le stage ou la catégorie, etc. Donc maintenant, sur cette partie, on va plutôt s'intéresser un peu, faire un deep dive finalement de ce qu'il y a dans ces PCF-là. Donc au final, ça intègre pas mal de nouvelles technologies, donc c'est les technologies web basiques, on les conçoit plutôt en utilisant du TypeScript finalement, et tout ce qui est NPM Node.js, hein, NPM, donc le gestionnaire de package officiel de Node.js, et tout ce qui est effectivement HTML, CSS. Ce qu'il faut comprendre avec ce framework, c'est qu'il réagit un petit peu comme une prise électrique, c'est-à-dire que, à l'instar du web ressource qui va chercher l'information, il faut voir la prise électrique comme étant votre application qui, elle, va donner toutes les informations dont a besoin votre composant. Là où avant, c'était le composant qui allait chercher l'information, là, c'est plutôt le composant qui va implémenter finalement le framework en respectant donc l'architecture de ce framework-là et du coup consommer ce que lui donne l'application. Par rapport à comment est-ce qu'on aborde la construction d'un PCF, donc, moi, ce que j'aime bien faire généralement, avant de commencer, c'est de me poser certaines questions hein, sur se demander finalement quel est le problème qu'on veut résoudre, qu'est-ce qu'on veut amener comme feature, comme fonctionnalité à l'utilisateur, quel design on veut lui apporter. On peut très bien faire un mock-up avant. Se poser la question aussi si finalement, est-ce que ça vaut le coup de construire un PCF. Ça prend du temps. Donc, si c'est un PCF qui va être réutilisable
soit sur différentes entités, sur différents projets, etc. Là, ça fait vraiment sens. Se poser des questions par rapport aux data qu'il va consommer. Est-ce que ça va être aussi basé sur un champ ou un dataset? Donc un dataset, typiquement une vue. Quels sont les paramètres que je vais vouloir garder à permettre à modification pour notamment les customizers, les makers? Donc là, comme on vient de voir, par exemple, les couleurs. Et enfin, est-ce que je vais consommer des services externes? Donc c'était le cas notamment pour le numéro de TVA, où on consommait finalement le service externe de la Commission européenne. Donc pour commencer à builder finalement un PCF, toujours le même principe, un jardinier ne commence jamais son travail sans les bons outils. Donc ici, on va avoir besoin d'installer NPM et Node.js, d'avoir le .NET Framework d'installer, généralement ça ne pose pas de soucis pour tout développeur, installer le Power Apps CLI, et potentiellement utiliser XM Toolbox, parce qu'il y a un plugin qui existe, on va en parler juste après, qui est vraiment très sympa à utiliser, qui nous simplifie vraiment la vie pour toutes les tâches lors de la construction du build, l'initialisation et aussi le déploiement du PCF. Donc le Power Apps CLI, qu'est-ce que c'est? C'est un tool fourni par Microsoft qui nous permet d'initialiser des projets, que ce soit des projets de custom control, de plugins et de web ressources. Donc l'aspect CLI, donc effectivement, parce que c'est du command prompt initialement. Donc ça va nous permettre d'initialiser nos projets, de builder. Dans le cas où on build, on va avoir potentiellement des erreurs si on ne respecte pas forcément tous les frameworks, etc. Et on va pouvoir donc utiliser ça dans notre process d'ALM. Donc là, il y a un petit exemple très rapidement où on voit comment on initie un projet, on crée un dossier, on va initier le projet PCF, puis on va commencer à finalement le packager à ce moment-là, et enfin le builder. Et là, donc, on a le PCF qui est en train de se build, donc un PCF vide, et voilà les étapes, c'est assez simple au final, ça peut faire peur parce que ça reste une command prompt, mais au final, c'est très simple. Donc, si vous n'êtes pas trop fan de tout ce qui est CMD, comme je disais, il y a un plugin XM Toolbox qui est vraiment très bien, qui est fait par Danish Nagelkar, qui vous permet de faciliter que ce soit l'initialisation de votre PCF, sa construction, donc le building, et son déploiement au sein d'une instance. Il y a pas mal d'autres features, notamment, par exemple, lorsque vous voulez initier votre PCF, vous pouvez partir d'un PCF existant, notamment ceux qui sont exposés sur PCF Gallery. Donc c'est vraiment utile. Moi, j'utilise honnêtement tout le temps ce plugin et on gagne un temps vraiment considérable. Donc maintenant, qu'est-ce qui conçoit finalement un composant? Alors, trois choses. Premièrement, ça va être ce qu'on appelle le fichier manifeste qui va en fait définir l'ensemble de notre contrôle, donc que ce soit le nom, le versioning. Donc typiquement, quand on va le builder, on va augmenter la version dans manifeste, les properties qu'on va laisser à disposition du maker pour la configuration. Et c'est là aussi on va déclarer, par exemple, les fichiers qu'on va utiliser. Enfin, on va avoir tout l'aspect, finalement, implémentation du code. Donc, ça dit TypeScript, du JavaScript, là où on va implémenter donc, les fonctionnalités, mais aussi le design, finalement. Tout ce qui est fichier de ressources, donc les fichiers CSS, les fichiers images, donc, par exemple, l'image de preview qu'on a vu tout à l'heure, les fichiers ressources X, dans le cas où on va faire un composant qui soit traductible et qui s'adapte à la langue de l'utilisateur. Très rapidement, pour vous montrer comment on initie en fait un projet, c'est très simple. Avec la command prompt, on doit juste définir effectivement un namespace, le nom d'un composant et le type d'un projet, donc field ou dataset, ce qui va nous générer des dossiers. Donc ici, on voit le projet PCF en .pcf proj, et si on ouvre le dossier du composant, on va voir notamment le manifeste, qui est donc un fichier XML, et le code index.ts, où on va commencer à implémenter notre logique. Donc si on fait un petit focus sur le manifeste, voilà à quoi ça ressemble. Et pour mettre un peu plus en lumière à quoi sert tout ça, typiquement sur le composant donc de BPF qu'on vient de voir, les propriétés sur lesquelles on pouvait influer ici, qu'on voit à droite, c'est justement ce qu'on a défini dans le manifeste. Donc c'est ce qu'on va retrouver là et qu'on va pouvoir laisser disponible. On va pouvoir donner une valeur par défaut, dire s'ils sont required ou pas, etc.
on va pouvoir aussi mettre, donc c'est pas que du string, on va pouvoir mettre des option sets dans ce cas-là pour avoir des choix, notamment pour le stage ou catégorie. C'est là où on va déclarer les ressources qu'on va utiliser. Donc généralement, vous avez toujours la première ligne qui stipule en fait le fichier qui implémente votre code. Donc dans ce cas-là, moi j'ai rajouté une image de preview et un style CSS. Alors notez qu'il y a une feature, il y a pas mal de choses qu'il faut rajouter par rapport à ce que vous vouliez utiliser. Typiquement, là j'utilise la Web API, donc il faut le déclarer dans le manifeste. Vous pouvez aussi utiliser d'autres features, comme par exemple pour accéder au device qui consomme le PCF, par exemple pour la prise de photo. Il faut absolument le déclarer ici, sinon ça ne fonctionnera pas. Par rapport à comment est implémenté le framework, donc il y a un cycle de vie en fait sur le composant qu'il faut respecter. C'est pour ça que quand on crée le fameux fichier index.ts, il y a des fonctions qui sont initialisées, donc le fameux init, le fameux updateView, donc le init qui va nous permettre à initialiser notre contrôle et donc à construire potentiellement le squelette, donc typiquement sur un champ, on va s'amuser à construire le input, typiquement. Et enfin, l'updateView qui va se déclencher dès lors que la propriété va changer, donc la valeur d'un champ qui change, comme on l'a pu le voir avec le numéro de TVA qui changeait et qui du coup va exécuter la logique de l'updateView. On va avoir deux autres fonctions utiles, le destroy dans le cas où vous voulez en fait killer le PCF dans certains cas. L'aspect output, dans le cas où vous voulez en fait renvoyer de l'information, donc typiquement pour le numéro de TVA, une fois qu'on avait récupéré l'information, on injectait l'adresse dans un autre champ qui n'était pas forcément lié directement au composant. Donc si on résume un peu ce cycle de vie, le PCF, en fait, il est construit d'abord sur un constructeur qui est vide et qu'on n'a pas à modifier techniquement. La fonction init va se déclencher qui va nous permettre de construire l'élément, donc l'élément DOM, d'y attacher les potentiels événements. Dans le cas où la propriété, donc dans le cas où c'est basé sur un champ, par exemple, donc où les valeurs changent, c'est l'updateView qui va être déclenché. Dans le cas d'un dataset, ça peut être, par exemple, un refresh de la grille. Dans le cas où on veut après spécifier effectivement qu'on a des valeurs de sortie qui ont été modifiées, donc renvoyer des nouvelles valeurs à l'application, on va pouvoir appeler ce qu'on appelle le NotifyOutputChange qui va déclencher la fonction getOutput et ça, c'est la fonction que nous, on va pouvoir altérer. Et c'est là où on va pouvoir lui dire, bah, tiens, mon champ adresse, tu vas lui donner telle variable de mon composant qu'on aura pu initialiser par exemple dans l'UpdateView parce qu'on est allé faire l'appel à la Commission européenne, récupérer l'adresse pour ce numéro de TVA, et ainsi notifier le output change pour dire au PCF, voilà, là j'ai un changement de valeur, je veux que tu mettes cette valeur dans un champ. Donc dans le cas où par contre, ce PCF il est lié à un champ et vous renvoyez une nouvelle valeur dans ce même champ, vous allez avoir l'effet où en fait vous allez redéclencher l'updateView. Donc attention après aux boucles éventuelles. Par rapport à tout ce qui est build et debug, vous pouvez le builder quand vous le développez en utilisant donc une task run build basique de npm. Et notamment pour le debug, c'est intéressant, donc vous avez le npm startwatch qui va vous permettre aussi d'ouvrir votre navigateur et donc de visualiser votre composant. Donc c'est ce qu'on voit à droite. Ça peut être plutôt utile. Notez que si vous utilisez un dataset, vous allez pouvoir lui donner en entrée un fichier CSV pour simuler finalement le fait qu'il y ait des enregistrements, comme ce qu'on a pu voir avec les opportunités ou les cases, par exemple. On va pouvoir maintenant utiliser tout ce qui est Fiddler. Donc, je ne sais pas si certains connaissent ici, mais c'est plutôt utile, notamment pour débugger un PCF qui est déjà déployé. On va pouvoir exécuter le fichier localement, tout en voyant finalement le résultat sur l'application. Donc, ça marche pour les Canvas apps, pour les modèles de Ravenna aussi. Donc, petit résumé très rapide sur les, en fait, sur les lignes de commande à faire quand on veut finalement faire un component. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va initier le dossier en premièrement. Deuxièmement, initier notre composant, lui donnant le nom, le namespace, etc. Donc là, c'est ce qu'on avait vu un petit peu précédemment, hein, avec la petite animation. Donc là, ici, on crée plutôt
le dossier de déploiement. Un dossier de déploiement concret, en première étape. Deuxièmement, on va lui dire, bah voilà, maintenant, je veux que tu prennes en considération mon projet. Tu vas lui ajouter les références. Quatrièmement, on va le builder. Alors, notez qu'on peut builder effectivement d'une manière soit une solution qui va produire soit une solution unmanage ou manage. Donc ça, on peut le gérer aussi avec un argument, en fait, tout simplement dans la ligne de commande. Ce qui va nous donner une ou nos solutions. Et enfin, importer la solution dans l'environnement CDS, donc dans l'environnement Dataverse, plutôt maintenant. Donc, comme on a pu faire finalement avec le composant donc Business Process Flow Viewer. Donc, vous avez une slide un peu récapitulative par rapport à tout ça, qui a été fait par Nicolas Kierman, donc côté Microsoft, qui résume un petit peu les différentes étapes qu'il faut faire pour de je m'équipe à je package mon composant et je le publie. Donc, elle sera dans les slides si vous voulez la récupérer. Il n'y a pas de souci. Avant de finir cette session, donc voici quelques petits liens et références plutôt utiles, notamment le forum PCF Microsoft, la documentation. Donc, sachant que PCF, c'est une des grandes nouveautés, honnêtement, de 2019-2020. Donc, il y a vraiment un engouement sur côté communauté. C'est pour ça qu'il y a vraiment beaucoup de composants qui ont été créés. Je vous encourage aussi à aller voir certains blog posts qui parlent des PCF. Donc là, ce que vous voyez en dessous, c'est justement ceux dont je vous parlais en début de session. C'est ceux qui sont disponibles sur mon blog où vous avez qui m'a aidé notamment à faire cette session-là. Mais il y a beaucoup plus de détails où on a même un épisode, l'épisode 4, qui va vous permettre de voir step by step comment faire un composant basé sur un champ. Donc, j'espère que ça n'a pas été trop intense. Je sais qu'il y avait beaucoup d'informations. J'espère qu'en tout cas, ça vous a plu. Et je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Alain. Je sais qu'il y a Olivier Clément qui a répondu à pas mal de questions dans le chat. je pense qu'il n'en reste finalement pas beaucoup. il a fait le boulot. Effectivement, c'est ce que je vois. Merci à toi, Clément. Par contre, il y avait quand même la question de Antoine Galland sur la notion de manage, unmanage. Alors, oui, alors la notion de manage, unmanage des solutions, alors c'est un terme, c'est un vaste sujet, honnêtement. C'est propre donc effectivement aux environnements CDS. Ça fait en lien sur tout ce qui est déploiement. Dans le cas des PCF, quand on déploie en fait, un composant manage, on a une solution manage, tous les composants qui sont à l'intérieur, si on supprime la solution, ils vont rester dans l'environnement. C'est un petit peu plus complexe que ça, il y a pas mal de choses à prendre en considération. Mais dans le cas où on a une solution manage, c'est vraiment un gros package dur qu'on va pouvoir installer. Et si on veut le désinstaller, il y a vraiment tous les composants qui seront à l'intérieur qui seront désinstallés. Cette notion de manage and manage, c'est vraiment un vaste sujet, honnêtement, propre au Dataverse. S'il n'y a pas de souci, on peut peut-être après en parler peut-être d'une manière plus approfondie, mais il n'y a pas de souci. Mais c'est un vaste sujet, honnêtement, c'est très difficile d'y répondre comme ça. Bah, sûrement vous mettre en lien tous les deux avec Antoine Galland pour en discuter. Exactement. Super, je crois pas qu'il y ait d'autres questions qui soient restées en suspens. Je crois que vraiment Clément Olivier a fait le taf. Effectivement. merci à vous en tout cas. Et puis n'hésitez pas, vous pouvez me contacter directement si vous avez d'autres questions et j'y réponds.